Jusqu'à l'âge de 32 ans, je vécus tranquille, sans amour. Je me réveillais heureux, chaque jour, pour faire des choses qui me plaisaient, et je me couchais satisfait, avec l'espérance paisible du lendemain et de l'avenir sans souci. Sans souci. Je rôdais dans Paris par un matin de soleil, l'âme en fête, le pied joyeux, regardant les boutiques avec cet intérêt vague du flâneur. Tout à coup, j'aperçus chez un marchand d'antiquités un meuble italien du... Du XVIIe siècle. Merci. Je continue. Il était fort beau, fort rare. Je l'attribuais à un artiste vénitien du nom de Vitelli, qui fut célèbre à cette époque. J'achetai ce meuble et je le fis porter chez moi tout de suite. Je le plaçai dans ma chambre. Pendant 8 jours, j'adorais ce meuble. J'ouvrais à chaque instant ses portes, ses tiroirs. Je le maniais avec ravissement, goûtant toutes les joies intimes de la possession. Or, un soir, je m'aperçus en tâtant l'épaisseur d'un panneau qu'il devait y avoir là. Une cachette. Une planche glissa et j'aperçus, étalée sur un fond de velours noir, une merveilleuse chevelure. Je la pris doucement, presque religieusement, et je la tirai de sa cachette, comme la queue en feu d'une comète. Je m'enfermai seul avec elle pour la sentir sur ma peau, pour enfoncer mes lèvres dedans, pour la baiser. La mordre. Je l'enroulai autour de mon visage, je la buvais. Je l'aimais. Oui. Je l'aimais. Et j'attendais, j'attendais. Et alors, elle est venue ? Oui. Je l'ai vue, je l'ai tenue, je l'ai eue. Telle qu'elle était vivante, autrefois, grande, blonde, grasse. Les seins froids, la hanche en forme de lit. Toutes les nuits, elle est revenue, la morte, la belle morte, l'adorable, la mystérieuse, l'inconnue. Je l'aimais si fort que je n'ai plus voulu la quitter. Je l'emportais avec moi toujours, partout. Je l'ai promenée par la ville, comme ma femme, et conduite au théâtre en des loges grillées, comme ma maîtresse. Mais on l'a vue. On l'a devinée. Non ! Et on m'a jeté dans une prison comme un malfaiteur ! Non ! Misère. Misère. Misère.